de la vue de presse. Bonjour et merci de votre fidélité à Cotine TV. Les informations du Bénin pour démarrer cette lettre croisée des quotidiens. Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignement. AME au Bénin écrit la nouvelle tribune. Le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et au quotidien du service se public, la nation de série dans ses colonnes. Six mesures sociales de grande portée ont été prises en leur faveur avec des avantages financiers non négligeables. Le journal cite cité ces avantages les AME seront désormais payés tous le mois de l'année, soit 12 mois sur 12. L'autre nouvelle mesure prise au bénéfice des AME et dont ils vont commencer à bénéficier dès ce mois de mars, c'est l'instauration d'une prime d'engagement pour services d'intérêt national fixée à 20 000 francs CFA par mois. Les AME bénéficient d'une assurance santé au même titre que les fonctionnaires désormais. Les mesures sociales concernent aussi particulièrement les femmes qui officient comme AME. Elles pourront désormais bénéficier des congés de maternité la prospérité partagée sous talent qui est ainsi exprimée, lance l'événement précis. Syndicats, enseignants et bénéficiaires reconnaissant, informent pour sa part, le quotidien, le matinal. Nouvelle mesure gouvernementale au profit du secteur éducatif, les AME reconnaissant envers le gouvernement placade à sa une matin libre. Quand on parle des AME, ce sont des enseignants recrutés par l'État pour renforcer le nombre des enseignants agents de l'État comme les vacataires. Entre temps, ils étaient payés sur le nombre de mois de travail et donc sans salaire pendant les vacances. Une mesure hautement sociale du gouvernement de Patrice Talon, saluée par le commun des Béninois. Mais l'autre actualité que ne partagent pas forcément tous les Béninois est le nouveau code électoral. Après la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré le nouveau code électoral conforme à la Constitution, le président de la République, Patrice Talon, a promulgué le test ce lundi 18 mars 2024, écrit Fraternité. Nouveau code électoral au Bénin, le grand dans l'inconnu soupit la nouvelle tribune. Le vin est tiré. Il ne reste qu'à le boire jusqu'à la lit À quoi s'attendre maintenant Les surprises certainement en perspective. Souligne matin libre pour rappel. L'opposition dénonce un code électoral exclusif, alors que les partis de la mouvance se réjouissent du renforcement du système partisan grâce au nouveau code promulgué. Essentiellement, le nouveau code électoral prévoit un pourcentage de 20% des suffrages exprimés par les partis politiques qui veulent lever des sièges à l'Assemblée nationale et un parrainage de 15% au minimum. A recueilli pour être candidat aux élections présidentielles au Bénin. En attendant 2026 pour le Bénin, les Sénégalais seront aux unes demain pour élire le successeur de Macky Sall, qui sera élu dans le lot des 19 candidats. Nul ne peut le dire à l'avance, mais on ne tardera pas de le savoir. Et dans le cadre de ce scrutin, la CEDEAO va déployer une mission d'observation de 130 observateurs électoraux sur le terrain, annonce le site Africa 7. Cette mission sera conduite par l'ancien ministre nigérien des Affaires étrangères, Ibrahim. Agbola Gambari. C'est plutôt une bonne nouvelle dont se félicite plusieurs parutions du continent africain. D'une bonne nouvelle à une autre, mais cette fois-ci au Niger. En croix à la nouvelle tribune, le Niger vient de rouvrir ses frontières, notamment avec le Nigeria. C'est une mesure qui va donc permettre la reprise des échanges entre les deux pays. Pour rappel, le Bénin et le Nigeria ont procédé à la réouverture de leurs frontières après la levée des sanctions par la CEDEAO. Pendant que Niamey reprend langue avec ses voisins à travers l'ouverture des frontières, le pays vient de couper le cordon militaire avec les États-Unis, annonce Courrier international. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi 16 mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale rapporte le Monde africain. Ouakatera préfère citer les propos du porte-parole du gouvernement nigérien qui indique je cite, le gouvernement du Niger prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute Responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger. Après donc les Français, les Américains pointent l'observateur Palga. La goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase serait le survol sans autorisation de l'avion qui transportait la délégation officielle américaine qui a séjourné au Niger la semaine passée. Alors que les relations entre Niamey et Washington se dégradent, la Côte d'Ivoire de côté, resserre ses liens avec la France. Le président ivoirien Alassane Ouattara a effectué une visite en France depuis le 15 mars dernier. Cette visite revêt une importance particulière puisqu'elle a culminé avec une rencontre très attendue entre Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée ce vendredi 22 mars. Au cœur des discussions entre deux chefs d'État se retrouvent les enjeux majeurs qui touchent l'Afrique de l'Ouest, notamment la situation du Niger, le Sénégal et bien d'autres sujets importants pour la coopération entre L'Afrique de l'Ouest et la France. Cette information est rapportée par l'Infodrome d'Habillement le quotidien ivoirien. Le Nouveau réveil à propos de cette rencontre, On se demande si Ouattara a essayé de discuter de la question du quatrième mandat avec Macron au cours des échanges de la Côte d'Ivoire en se rendant au Togo ou après le Niger. Le Burkina veut renforcer sa relation commerciale avec le Togo. Les deux pays ambitionnent d'accroître leurs échanges commerciaux et misent pour ce faire sur l'amélioration de la fluidité des transports sur le corridor. Ouaga, son Togo Fest. Le sujet était au centre d'une rencontre qui s'était déroulée en milieu de semaine dernière à Lomé entre les délégations ministérielles des deux pays. À la rencontre de Lomé, les deux parties ont identifié les obstacles majeurs à la fluidité des transports le long du corridor Lomé Ouaga et proposé des solutions pour augmenter les échanges commerciaux. Du côté de Lomé, les autorités annoncent œuvrer pour transcender les obstacles sur ce corridor conformément à leur ambition de faire du Togo un hub logistique et de services. se foudi se vi lente lande Et puis, en football, les journées FIFA au menu ce week-end et la semaine prochaine. Presque toutes les sélections africaines vont jouer des matchs amicaux en vue de préparer la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le Bénin joue ce soir contre les champions en titre de la Coupe 2024, la Côte d'Ivoire, en France, et sera face au Sénégal le mardi prochain. Que le meilleur gagne, dira-t-on simplement. On prend quelques nouvelles du quotidien intégral pour conclure cette revue de presse en beauté. Préparer et vivre sa retraite est le thème mis en lumière dans l'émission éclairée du coach de cette semaine. Dans cette émission, le numéro un mondial du coaching nous fait comprendre que la retraite est d'origine occidentale et consiste à user sa famille, sa santé, ses relations et bien d'autres. C'est à l'avènement de cette forme de retraite que nos parents ont commencé par mourir à moins de 100 ans. Mais que faire pour avoir une retraite paisible et bien longtemps dans le contexte actuel Retrouvez l'intégralité de l'émission sur Côte-Poyon officielle. Et sur la même chaîne, vous aurez l'occasion de découvrir aussi l'émission à l'ombre du coaching de la semaine qui a porté sur le thème que le faible dise « Je suis fort ». L'idéalistique fait par le coach Poyon, beaucoup de croyants ne connaissent pas la parole. Cette ignorance conduit à la maladie, la pauvreté, la mort et autres. La parole de Dieu demande au faible de dire qu'il est fort. Mais est-ce un mensonge de dire « Je suis fort alors que je suis faible » La réponse est à retrouver dans cette émission disponible toujours sur coach Poyon officiel. Fin de cette revue de presse africaine présentée par Zero Wenceslas avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard un Pognon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.